Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue pour ce premier Grand Prix du championnat de Formule 1 2025. Avant de parler de cette fin de semaine de course, rappelons-nous que Trace de Brake est dorénavant l'actuel champion du monde. Il a d'ailleurs opté pour garder son numéro 69. Oui, il a refusé le traditionnel numéro 1 offert au champion du monde de l'année précédente. Il faut dire que ce numéro est principalement symbolique pour le Québécois qui aspire à défendre son titre malgré les prédictions des experts. En effet, plusieurs préfèrent nommer de chance son titre en 2024 et que cette année 2025 sera la chute du pilote propriétaire de la Cornell Racing Team. Seul l'avenir nous le dira pendant cette saison de 10 courses. Pendant ce temps, nous avons eu la chance de voir Felipe Drugovic faire ses débuts avec Haas ainsi que Tsunoda avec Alpine. Beaucoup d'espoir sont mis de l'avant pour le pilote japonais et l'écurie française. Et ne parlons pas de Max Verstappen qui, avec la retraite de Lewis Hamilton, aspire à reprendre le titre de champion du monde en ce championnat 2025. Un autre qui aimerait bien devenir champion du monde pour la première fois est le monégasque Charles Leclerc. Le numéro 16 de chez Ferrari devra toutefois être plus constant que l'an dernier s'il veut que son rêve devienne réalité. Quant à Lando Norris chez McLaren, le jeune pilote a réalisé de belles progressions en 2024 et peut être considéré comme un aspirant au titre dès cette année. Oh, et il ne faut pas oublier le numéro 92 de chez Haas, une recrue du nom de Liam Lawson. Reste à savoir comment le Néo-Zélandais performera en ce début de saison de course de mobile. Mais le nom le plus sur les lèvres des experts et des fans de Formule 1 est Pierre Gasly, qui remplace nul autre que Lewis Hamilton chez Mercedes. Il est le principal prétendant au titre et qui sait si le Français pourra donner raison aux experts dès cette première course à Bahreïn. Pourra-t-il faire mieux que Carlos Sainz qui a été décevant l'an passé? Pourra-t-il réaliser de meilleures performances que son coéquipier aussi aspirant, George Russell? Est-ce que Sergio Perez pourrait surprendre avec une Red Bull performante? Et ne parlons pas de Tatiana Calderon qui, selon plusieurs, doit performer si elle veut conserver un volant en Formule 1. Ce qui est certain, c'est que Cornell Racing Team peut compter sur un champion du monde et une pilote en devenir qui, malgré les performances plutôt décevantes depuis 2 ans, pourrait changer la donne dès cette année en 2025. Nous sommes donc au Grand Prix de Bahreïn pour cette première de 10 courses de ce championnat de Formule 1. Il s'agit du 76e championnat de l'histoire et tous les yeux étaient rivés vers Trace de Brake qui devra défendre son titre de champion du monde face à des Verstappen, Leclerc, Norris, Russell et Gasly. Cette année, les qualifications vivent d'ailleurs un grand changement. C'est terminé les 3 séances, mais plutôt un seul tour qui est permis pour établir le meilleur chrono possible. Ce chrono va décider d'ailleurs de la grille de départ, donc aucune deuxième chance. Ce changement de réglementation est d'ailleurs dû à une volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour cette première séance de qualification à un tour, Trace de Brake n'a pu faire mieux que la 14e place. Néanmoins, souvenons-nous que sa force, c'est pendant la course et non lors des qualifications. Sa coéquipière n'a pu faire mieux que la 21e place devant Logan Sargeant, alors que les recrues Drugovic et Lawson ont terminé 15e et 13e respectivement. La grosse performance appartient au Français Pierre Gasly, qui dès sa première chance avec Mercedes, décroche la fameuse pole position. C'est donc en cette soirée du dimanche que le Grand Prix de Bahreïn débutera sous peu. Le circuit international de Sakhir ouvre donc la saison 2025 et nous espérons voir plusieurs batailles entre les différentes monoplaces, soit via le DRS, soit via les chicanes que cette piste peut offrir. De plus, avec le changement de réglementation quant au nombre de tours, eh bien la course comptera 20 tours seulement. Ceci étant dit, avant que le tour de formation ne débute, voici la grille de départ officielle. Pierre Gasly, comme mentionné précédemment, nouveau chez Mercedes, a établi le meilleur chrono devant Carlos Sainz qui démarre bien la saison avec Ferrari. Il a d'ailleurs devancé de 41 millièmes de seconde George Russell pour éviter un doublé Mercedes sur la première ligne.
Et ça roule pour ce premier Grand Prix de la saison 2025 ici à Barème de Suzuki International de Sakhir. Est-ce que Trezorek a un bon départ? Oui, il semblerait que oui. Pierre Gasly lui conserve la tête. Alors que, oh, George Russell a légèrement frappé les nerfs. Oh, il y a un blocage de roue ici de la part d'une McLaren. Oh, très difficile ce premier virage du premier tour. Mais Trezorek réalise une excellente performance. Il gagne 4 positions, lui qui était 14e, se retrouve en 10e place. Sainz, 2e devant Russell. Piastri, 4e. Waouh, et Perez, 5e. Il y a eu quelques pilotes qui ont eu plus de misère, dont Charles Leclerc qui lutte en ce moment pour la 13e position. Pendant qu'on voit ici Trezorek qui y va d'une manœuvre magnifique pour dépasser Max Verstappen et lui soutirer la 2e position. Oh, légère glissade qui aurait pu être catastrophique. Malgré tout, on reprend le contrôle de sa monoplace et la CRT numéro 69 peut demeurer en 9e position devant Max Verstappen. Donc on est déjà dans les points pour le pilote propriétaire québécois qui semble avoir quelques petites difficultés. Les pneus ne sont peut-être pas justement encore assez réchauffés. Il reste qu'il demeure tout près dans la seconde de pourchère et il va probablement vouloir demeurer justement à l'intérieur de cette seconde pour avoir accès au DRS lors du 3e tour. Autrement, Charles Leclerc, j'ai vraiment hâte de revoir la reprise. Ça a vraiment pas été un très bon départ. Et oh, il y a eu contact avec Max Verstappen. Trezorek qui a pris légèrement large le virage et le Néerlandais qui a attaqué ensuite, mais peut-être pas une bonne décision parce que là on voit Tsunoda qui attaque Max Verstappen à l'arrière de Trezorek. C'est très serré. Le nouveau pilote Alpine qui vient justement prendre la position, on dirait. On revoit les reprises vidéo de ce départ. Oscar Piastri, excellent départ de l'Australien qui prend l'intérieur rapidement, mais je crois que c'est lui qui a bloqué les roues. Oh oui, regardez ici. Oh là là! Il a bloqué les roues et il a frappé ensuite la voiture à sa gauche. C'était extrêmement serré. Il a frappé la voiture de Sergio Perez. On voit justement la reprise de la vie de Perez qui a eu un excellent départ. Il dépasse Lando Norris. Il était 7e et il est vraiment en 5e place avant le premier virage. Et ici, regardez. Oh, il n'a rien pu faire. Il croyait qu'il avait l'espace, mais malheureusement, le blocage de roue a causé un léger contact. Par chance, ce n'était que pneu contre pneu. Et on revoit ici, justement, la reprise de la vue aérienne de ce départ qui a été compliqué pour certains pilotes, mais pas pour Pierre Gasly, qui est en première position. Max Verstappen, lui qui aspire à devenir champion du monde cette année, il y a un très mauvais départ. Il était 6e et il a eu bien la difficulté. Il a été ensuite ennuyé par Lando Norris. Il se retrouve en 9e position lors du 9e virage et on sait que Trezorek va le dépasser à la fin du premier secteur. Et maintenant, le départ de Trezorek qui était fumant, hein, rapidement, il va avec, oh le contact, oh, on n'avait pas vu ça de la vue aérienne, mais ouf, c'était très chaud. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Je suis certain que Trezorek doit avoir de légers dégâts sur son aileron, ou du moins sur le côté de sa voiture. Il n'a pas assez proche de se faire écraser contre le mur dès les premières accélérations. Il prend quand même 4 positions de la P14 à la P10. Alors qu'on voit le départ assez désastreux d'Esteban Ocon qui est... Oh, justement, regardez! Oh, il a pensé aller à la droite de Charles Leclerc, mais finalement, il s'est ravisé lorsqu'il a vu la voiture brune arriver. Et ouf! C'était très chaud. Peut-être que finalement, il n'y a pas de dégâts, mais c'était quand même extrêmement serré. Alors qu'on voit ici la 8e place, Charles Leclerc qui s'est fait dépasser de tous bords, tous côtés. Et à la suite de ce premier virage, de ce premier secteur, le Monégasque se retrouve en 14e position. C'est 6 positions de perdu. Triste départ pour commencer la saison 2025 par le pilote numéro 16. En ce temps, on voit le départ de Yuki Tsunoda, nouveau chez Alpine, qui réalise tout un départ. Il va chercher justement 2 positions et Felipe Drugovich ici qui, oh mon dieu, dépasse Yann Lawson avec facilité. Yann Lawson qui a eu un mauvais départ. Il était 15e et il se retrouve en 12e place après les premiers instants de cette course du Grand Prix de Bahreïn. Regardez ici, il lutte légèrement, il prend l'intérieur. Est-ce que c'est la bonne décision? Oui, oui, c'est très très serré. Et ils vont plus dépasser la Ferrari de Charles Leclerc. On continue justement Esteban Ocon contre Charles Leclerc, le numéro 31 contre le numéro 16. C'est extrêmement serré, on se donne la place. Évidemment, on perd du temps face à la voiture Haas. Est-ce que Charles Leclerc va être en mesure de conserver, en fait, de reprendre sa position? C'est extrêmement serré. Pourtant, la voiture Ferrari devrait être supérieure à la voiture Alpine. Il n'y en aura pas de facile. On voit ici devant Trezorek qui a eu de la difficulté devant Max Verstappen. Et finalement, Charles Leclerc qui ne peut vaincre Esteban Ocon. Alors qu'on voit ici Max Verstappen qui lutte. Oh, il y a ici le contact. Oh, pneu à pneu, rien de grave, rien de dangereux, aucun dégât. Mais reste que ça aurait pu être pire. Il aurait pu avoir un aileron avant endommagé pour le pilote de chez Red Bull. Mais par chance, aucun dégât.
On revient à la course. On est au début du deuxième tour. Pierre Gasly qui est en première position. Il est le leader du Grand Prix de Bahreïn, mais lui de nouveau chez Mercedes. Alors on voit ici Charles de Brake qui tente du mieux possible de rester près de Pourchaire, alors que Verstappen et Tsunoda continuent de lutter pour la 10e position. Est-ce que Tsunoda va réussir à passer le Néerlandais? C'est extrêmement serré. Alors qu'on voit devant un Trace de Brake qui tente une attaque contre Théo Pourchaire, le nouveau pilote de chez Aston Martin. Et oui, c'est fait par l'extérieur, le pilote québécois qui gagne la 8e place. Alors qu'on voit à l'arrière également Tsunoda qui lutte avec Verstappen. Et finalement, Tsunoda prend la 10e position. Donc c'est un mauvais début de course pour Max Verstappen qui est hors des points après seulement un tour et demi. On ne parlera pas non plus de Charles Leclerc qui est en 14e position devant Liam Lawson. Et Tatiana Calderon, triste pour elle, se retrouve en dernière position avec sa voiture de chez Cornell Racing Team. Début du troisième tour, ça veut dire aussi début du DRS. Qui va pouvoir l'utiliser à bon escient? Eh bien, on commence avec Trace de Brake qui n'a pas le DRS encore, mais qui attaque Lando Norris, le pilote de chez McLaren. Eh bien, c'est fait. On prend un peu plus large le premier virage, mais quand même, c'est réalisé. Trace de Brake est en 7e position. Le Québécois ne peut être que satisfait de ce bon départ ici à Bahreïn. Alors, le prochain, c'est Kevin Magnussen qui est en 6e position derrière Sergio Perez. À l'arrière, on continue de voir une lutte entre Max Verstappen et Yuki Tsunoda. Évidemment, cette lutte leur fait perdre énormément de temps, alors que Felipe Drugovich et Esteban Ocon luttent à nouveau l'un contre l'autre. Ce sont des belles batailles lors de cette chicane. On promettait justement de voir soit des batailles en raison du DRS, soit en raison des différentes chicanes. Eh bien, ça fait même pas 3 tours complétés et on peut dire merci à l'action ici à Bahreïn. Trace de Brake, 7e position, est quand même tout près de Magnussen, mais Lando Norris également se rapproche, on va être dans le DRS. Alors on voit ici Oscar Piastri et Sergio Perez qui luttent pour la 4e position. Perez qui remporte son pari avec le DRS. Drugovich contre Esteban Ocon qui lutte en ce début de 4e tour. C'est extrêmement serré et il ne faut pas oublier tout près derrière, il y a un Charles Leclerc qui est dans sa Ferrari. La voiture rouge, eh bien, ça va être extrêmement serré. L'Alpine qui semble prendre les devants, mais avec une bataille comme ça, ça va donner la chance justement à Charles Leclerc d'attaquer Drugovich et Esteban Ocon potentiellement. C'est extrêmement serré. Oh, il y a eu contact. J'ai vu un morceau d'aileron quitter la voiture de la Scuderia Ferrari. Donc, triste nouvelle ici pour le Monégasque qui voit son aileron être endommagé suite à un contact avec Felipe Drugovich, la recrue de chez Haas. Oh, dur coup, un départ monstrueux et ensuite un contact. Triste début de saison pour Charles Leclerc qui va devoir s'arrêter au puits suite à cet incident au 4e tour, alors que l'on voit les différentes reprises, les différentes vues de cet incident qui n'a pas été très choquant. Il n'y a pas eu un gros choc entre la voiture Haas et la voiture de la Ferrari, mais quand même assez pour abîmer l'aileron avant. On voit ici la reprise. Il y a eu un blocage de roue. Il y a eu un léger blocage de roue de la part de Drugovich, ce qui a causé l'incident. 5e tour, George Russell qui attaque Carlos Sainz pour la 2e position. Est-ce que le Britannique va être en mesure de dépasser l'Espagnol? Est-ce que le jeune pilote Ferrari pourra dépasser le pilote Ferrari? Oh, c'est très serré entre la Mercedes et la Ferrari. Alors qu'on voit comme prévu Charles Leclerc qui s'arrête au puits à la fin du 4e tour, suite à un contact avec Drugovich. Il va donc changer son aileron et il va y aller pour des pneus médiums. Pendant ce temps, Sergio Perez, qui est en 4e position, tente de défendre face à Oscar Piastri, mais avec le DRS, il ne peut rien faire face à l'Australien. Le Mexicain doit donc concéder la 4e position au jeune pilote de chez McLaren. Un peu plus tard, on voit Kevin Magnussen qui lutte contre Trace de Brake pour la 6e position. C'est extrêmement serré, mais encore une fois, la voiture CRT numéro 69 réalise un magnifique dépassement par l'extérieur. Très bien fait par Trace de Brake qui... Oh, légère glissade! Moins pire que lors du premier tour contre Max Verstappen. Mais quand même, on dirait que le pilote québécois n'est pas à 100% à l'aise avec les réglages de sa nouvelle monoplace en ce début de saison 2025. C'est sûr qu'il y a amélioration qui sera apportée pour les prochains Grands Prix. DRS activé, Sergio Perez tente de jouer le même coup qu'Oscar Piastri lui avait fait lors du début du 5e tour. Et c'est fait en ce 6e tour, le Mexicain qui reprend la 4e position. Et pendant ce temps-là, qui d'autre que Pierre Gasly pour vivre une course beaucoup trop facile, lui qui est déjà à 2 secondes devant Carlos Sainz. Toutefois,
tout peut arriver. Et justement, tête à queue de Carlos Sainz. Oh, drapeau jaune, est-ce qu'il va y avoir une voiture de sécurité? Semblerait-il que non, car le pilote espagnol de chez Ferrari a réussi en fait à rejoindre la piste, mais il va se retrouver très loin à l'arrière du classement. Pendant qu'on voit ici Sergio Perez qui lutte contre George Russell. George Russell qui semble avoir des ennuis parce qu'il avait quand même une certaine, pas seconde, mais des dixièmes de seconde d'avance sur le Mexicain et soudainement ils sont l'un après l'autre. Donc est-ce qu'il y a un problème de voiture pour George Russell? Eh bien, ça se pourrait fort bien. Malgré tout, hein, Pierre Gasly, regardez le temps. Pierre Gasly qui est dorénavant à 4,5 secondes d'avance sur George Russell. Donc Russell qui aurait perdu 2 secondes dans l'espace d'un tour. Et il doit y avoir un problème mécanique avec sa Mercedes. On est au début du 8e tour. DRS activé pour Sergio Perez qui attaque à l'intérieur de George Russell, le Mexicain, contre le Britannique. Encore une fois, le pilote de chez Mercedes réussit habilement à défendre sa deuxième place. Et en même temps, ça donne encore plus de distance de temps entre Gasly et ses compétiteurs. Perez, lui, qui doit être fâché parce que pendant ce temps-là, hein, ça donne la chance à Trace de Brake de se rapprocher d'Oscar Piastri et d'attaquer. Est-ce que le Québécois va être en mesure d'y parvenir? Il est très, très près du derrière de la voiture McLaren. Et est-ce qu'il va plonger? Oui, il plonge et il y va. Il y va pour la... C'est la cinquième position. La quatrième position, pardonnez-moi. Wow, excellent dépassement du Québécois qui vient de se... vraiment de prouver à quel point, oui, il est champion du monde 2024, mais qu'il aspire à défendre son titre. Début du 9e tour, Perez, cette fois-ci, était beaucoup plus près que Russell, qui a de la difficulté. Il attaque par l'intérieur. Oh! Il y a eu presque un contact entre les deux. Encore une fois, une belle bataille lors du premier virage. Et est-ce que le numéro 63 va être en mesure de résister au numéro 11? C'est très chaud entre les deux monoplaces. Alors qu'on voit Trace de Brake qui a eu une meilleure sortie, une meilleure trajectoire. Et il attaque. Il attaque Perez. Il attaque justement George Russell. Il y va par l'intérieur. Et wow! Double dépassement du pilote québécois Trace de Brake qui vient prendre la deuxième position de ce Grand Prix de Bahreïn de cette première manche sur 10 de ce championnat 2025. Oh! Glisse sur les vibreurs, c'est certainement pas bon pour le dessous de la voiture, mais malgré tout, il conserve la deuxième position. Reste que j'ai peur à croire qu'il va perdre sa deuxième position, car lui, Trace de Brake, est à 7, même 8 secondes de Gasly, donc il n'a aucun accès au DRS. Il va devoir utiliser énormément sa batterie s'il veut rester devant George Russell, Sergio Perez et Oscar Piastri, qui sont les trois autres pilotes, en fait, dans le top 5 avec Pierre Gasly, leader de ce Grand Prix de Bahreïn. Le premier à s'arrêter au puits, eh bien, c'est une voiture Haas suivie justement d'une Alfa Romeo et d'une AlphaTauri. Donc, on y va d'une stratégie tendre-médium. Liam Lawson est le premier à s'arrêter en ce début de saison 2025. Alors qu'on voit ici Trace de Brake qui semble commencer à avoir des difficultés avec ses gommes. Hein, il n'est pas autant rapide et il glisse légèrement. Donc, il y a des temps qui sont très usés. Il s'est produit quelque chose. Oui, un tête à queue réalisé par Kevin Magnussen. Donc, le pilote d'Aston Martin cause un drapeau jaune. Il est bloqué sur le vibreur. Est-ce que ça va être une disqualification? Oh non, finalement, drapeau rouge. Donc, la course est arrêtée. Oh, et c'est le temps de vous abonner à ma chaîne avec ce drapeau rouge. On revoit justement le classement. Donc, avantage de Brake qui rattrape Pierre Gasly en première position. Leclerc est très loin en 19e place. Oh, c'est très difficile. Sainz, c'est 11e. Et c'est parti. On relance la course. Et quel mauvais départ de Gasly. Piastri, lui, qui prend l'extérieur et qui va soutirer la deuxième position. Oh, quel mauvais départ du pilote français de chez Mercedes. Et encore une fois, lutte au premier virage entre les deux Mercedes. Est-ce qu'il y a eu contact? Je crois que oui. Mais j'ai très hâte de revoir cette reprise. Alors qu'on voit beaucoup de luttes au classement. Hein? Leclerc qui est allé chercher de nombreuses positions. La Magnussen qui est en 17e position. Mais tout est à l'avantage de Trace de Brake qui vient de prendre la tête de ce Grand Prix de Bahreïn. Hein? Et qui, en fait, ça a donné la chance à toutes les voitures de changer le gomme. Donc, ceux qui ne s'étaient pas encore arrêtés au puits, eh bien, ont eu un arrêt gratuit. Contrairement à Lawson, Hülkenberg par exemple, et Stroll qui se sont arrêtés au 9e tour. Charles Leclerc qui tente de remonter le peloton. Il n'y en aura pas de facile. Là, même si tu as une bonne voiture, ben Bahreïn, ce n'est pas une piste qui permet énormément les dépassements. Alors qu'on revoit le départ de Pierre Gasly, numéro 10 de chez Mercedes, qui malheureusement a vraiment eu une énorme difficulté à accélérer. Il s'est fait déposer par
les trois pilotes de Perez, Piastri et De Brick. Et ensuite, George Russell qui entre par l'intérieur, qui dive bomb. Et qui d'autre que Yuki Tsunoda pour réaliser un double dépassement sur les Mercedes et prendre la quatrième position? Waouh! Tout simplement waouh de la part du japonais Yuki Tsunoda, le nouveau pilote de chez Alpine, qui est en 8e place au départ et qui se retrouve en 4e position. Regardez ici par l'extérieur. Waouh! Il a suivi toute une trajectoire malgré un léger contact avec George Russell. Et bien, on dirait qu'il n'y a pas de dégâts sur sa voiture, mais il est allé chercher 4 positions. Incroyable relance pour le pilote de chez Alpine. Alors qu'on revoit la reprise de la butte derrière de la Red Bull numéro 11 de Sergio Perez. Oh, c'était chaud. 3 fronts pour un virage. C'est pas toujours la meilleure décision pour les différentes monoplaces. Felipe Drugovic, lui qui était 12e, eh bien, il est allé d'une belle manœuvre pour être en 9e place. Hein. Esteban Ocon qui a vraiment dormi au gaz, tout comme Lando Norris. Et même ici, Max Verstappen. Donc, excellente relance pour le pilote de chez Haas qui lutte contre Pourchaire ensuite. Mais ça va être serré, ça va être serré. Est-ce qu'il va réussir le dépassement? Hein, c'est certain. Non, pas pour le moment. Et quand même une très belle lutte. De Brick d'ailleurs, qui lutte face à Oscar Piastri. Oscar Piastri qui le rattrape largement. On vient d'apprendre que la voiture 1969 devrait manquer de carburant avant la fin de la course. Donc, Trace De Brick, s'il veut finir la course, devra gérer l'utilisation de son essence alors qu'il lutte maintenant face à Perez qui a profité justement du léger contact avec Piastri. Alors là, c'est une grosse nouvelle. Ça, c'est un game changer. Si Trace De Brick manque d'essence et ne peut finir la course, eh bien, tout ce qu'il aura fait aura été en vain. Alors qu'on voit au 13e tour, Tsunoda maintenant qui se rajoute à la lutte pour la 2e place avec Perez et Piastri. C'est extrêmement serré. Évidemment, ça va aider Trace De Brick à prendre ses distances et potentiellement avoir une meilleure gestion sur le carburant. Et c'est fait d'Alpine qui réalise pour un 2e tour consécutif un double dépassement au premier virage. Alors que Ferrari est en train de vivre vraiment le pire scénario possible. Là, on voit Carlos Sainz qui lutte face à deux Williams. Hein, c'est pas du tout censé être des batailles attendues. Au contraire. Eh bien, Tsunoda qui lutte pour la 2e place à nouveau, il veut défendre face à Sergio Perez. Il n'y en aura pas de facile face à une Red Bull qui est quand même très performante. Mais c'est conservé l'Alpine qui demeure en 2e place et qui s'éloigne maintenant à 2 secondes de Trace De Brick. Qui lui, va vouloir profiter de chaque bataille à l'arrière de lui pour pouvoir réduire sa consommation d'essence sans pour autant perdre de position. Alors qu'on voit ici Drugovic qui reprend sa 9e place face à Max Verstappen qui est 10e. Tout juste dans les points. Un triste course en ce moment pour le Néerlandais qui manque de rythme. Alors qu'on voit Pourchaire en 6e position. C'est assez incroyable de le voir justement entre les deux Mercedes. Le jeune pilote français qui fait très bien. Gestion du carburant est donc très importante pour Trace De Brick. Évidemment, s'il prend 2 secondes d'avance, il va ralentir le tempo. Il va perdre du temps en voulant gérer son carburant. Ça va donner une chance aux autres de se rapprocher. Mais sinon, il semblerait qu'il ne finirait pas la course. Pierre Gasly qui tente de remonter après un départ désastreux suite au drapeau rouge. Il y va d'une attaque face à Pourchaire au premier virage du 14e tour. Extrêmement serré, hein, comme on peut voir, la majorité des pilotes sont en gomme médium. Et c'est fait, hein, Gasly qui reprend la 6e position face à George Russell. J'allais dire, pas à George Russell, mais à Pourchaire, j'allais dire que ça allait être facile. Mais non, ça luttait encore. Alors que Max Verstappen ici contre Felipe Drugovic au premier virage lutte de nouveau. Hein, c'est, encore une fois, c'est pas normal de voir une Red Bull lutter face avec une As. La Red Bull devrait lutter face à une Ferrari ou encore une Mercedes. Et regardez Carlos Sainz ici qui est au milieu d'une Aston Martin et d'une Williams. Drôle de combinaison, drôle de sandwich. Hein, et malheureusement, ben, en fait, heureusement pour l'Espagnol, il n'y a pas eu de contact. Mais malheureusement, il n'est pas en mesure d'aller chercher la position. Alors qu'on voit Gasly qui lutte contre Pourchaire. Gasly qui prend l'extérieur comme l'avait fait Trace De Brick. C'est serré, c'est très serré. Les deux sont coude à coude. Et qui aura le dessus? Je crois que c'est la Mercedes qui aura le dessus, mais rien n'est encore joué. Et oui, Pierre Gasly qui montre le bout de son nez devant Pourchaire. Et c'est fait numéro 10. Le Français réussit à prendre la position. Alors qu'on voit Charles Leclerc maintenant qui lutte face contre aux deux Alpha Tauri. C'est fait. Calderon, elle, qui avait une bonne position pour la relance, malheureusement, semble avoir des difficultés, n'a pas du tout le même rythme que Trace De Brick. On est en train de douter justement de ses capacités dans le monde du sport, mais reste que CRT demeure confiant, demeure à investir de l'argent pour elle. On voit ici Kevin Magnussen qui est devant, encore une fois, Carlos Sainz, pendant que Trace De Brick tente en fait de maintenir une certaine distance, tente de demeurer hors du DRS de Yuki Tsunoda tout en gérant son carburant. Donc, drôle de top 5 qui a été causé par le drapeau rouge, hein, et également des voitures qui sont hors point, qui devraient
être en ce moment dans le top 10. Sergio Perez qui utilise le DRS pour attaquer Yuki Tsunoda. Encore une fois, une bataille qui avantage Trace de Break. Est-ce que le Mexicain aura le dessus sur le Japonais? C'est extrêmement serré. Les deux sont coude à coude. Ça approche proche d'être un contact justement entre l'Alpine et la Red Bull. Et cette fois-ci, c'est la Red Bull qui obtient gain de cause. Malgré tout, l'Alpine tente d'attaquer par l'extérieur. C'est extrêmement serré. Tsunoda qui tente de faire la même tactique que Trace de Break. Et non, non. Sergio Perez, qui a beaucoup d'expérience, réussit à conserver, en fait, à prendre la deuxième position. Alors que Max Verstappen lutte contre Lando Norris. Ça, c'est une bataille qu'on devrait voir. Mais pas aussi loin au classement. Et ça glisse pour Trace de Break. Oh, en ce 15e tour, on a vraiment de la difficulté lors de ce virage. Est-ce que ce sont les réglages de la voiture? Je pense que oui. Max Verstappen, il est vraiment 8e devant Lando Norris. Et Esteban Ocon qui est 10e. Donc là, ça commence à ressembler un peu plus à ce qu'on connaît de Max Verstappen, l'ex-champion du monde. Il attaque ici la voiture de Pourchaire. Et c'est fait le numéro 33 qui se rapproche rapidement des Mercedes en ce début de 16e tour. Leclerc, quant à lui, est attaqué par nul autre que Tatiana Calderon et Liam Lawson, la recrue de chez Haas. Est-ce que Charles Leclerc sera en mesure justement de défendre? Non, il perd deux positions. Oui, et Tatiana Calderon, elle qui gagne deux positions. Magnifique gestion du DRS et de l'accélération pour aller chercher des positions. Max Verstappen, 16e tour. Et ici, oh, il perd la monoplace. Tête à queue, un autre tête à queue. C'est un troisième tête à queue réalisé dans la course. Drapeau jaune. Est-ce qu'il va y avoir drapeau rouge? Non, semblerait-il que non. Non, c'est une voiture de sécurité qui est déployée. Voiture de sécurité. Alors que l'on revoit la reprise de cette tête à queue réalisée par Max Verstappen qui a donné un coup de gaz un peu trop grand. Oh, léger contact avec Pourchaire. Et malheureusement, ça donne des pénalités à certains pilotes. Max Verstappen et Carlos Sainz obtiennent 5 secondes de pénalité, ainsi que Logan Sargeant. Les raisons ne sont pas encore confirmées, mais semblerait-il que ce soit Verstappen pour avoir causé un accident et Sainz et Sargeant pour avoir évité un drapeau jaune. On s'abonne encore une fois avec la voiture de sécurité qui est devant le tout. On peut voir justement Pierre Gasly en 6e position. Donc, la voiture de sécurité qui vient à un bon moment aussi pour Trace de Break, qui va pouvoir économiser, hein, justement, son carburant. Oh, il y a eu un changement au classement. Oui, la FIA a remanié les positions après avoir réévalué, justement, quand le drapeau jaune et la voiture de sécurité a été déployée. Ce qui fait en sorte que Sainz et Verstappen se retrouvent 12e et 13e. Pendant qu'on voit Lance Stroll, malheureusement, qui doit abandonner un bris mécanique. Lance Stroll, le pilote d'AlphaTauri, qui est en sa première course avec AlphaTauri, ne pourra la terminer. Et c'est parti, le drapeau vert est déployé en ce 18e tour, donc il ne reste plus que 3 tours à faire au Grand Prix de Bahreïn. Sainz qui va vouloir lutter pour la 13e place face à Verstappen dès la relance. Est-ce que ça va être réussi? Oh, plusieurs voitures se jettent à l'intérieur. Carlos Sainz, malheureusement, qui ne pourra réaliser le dépassement. Et on voit Charles Leclerc qui s'est jeté justement sur Calderon et Lando Norris, je crois, qui est à l'arrière, oui. Oh, c'est extrêmement serré. Est-ce que le Monégasque va pouvoir dépasser la Colombienne? Non. Ce n'est pas fait. Donc, Tatiana Calderon qui est en 15e position derrière Nick De Vries. Et Leclerc maintenant qui défend contre Lando Norris. Encore une fois, une bataille qui devrait avoir lieu, mais dans le top 10. Pas à la toute fin de la composition du classement actuel. Oh, c'est extrêmement serré. Le pilote Ferrari qui demeure devant le jeune pilote de chez McLaren. Mais reste que c'est une course désastreuse pour Ferrari qui, en ce moment, voit ses deux pilotes hors des points. Et là, même si Max Verstappen tente une attaque sur Nico Hülkenberg de l'Alfa Romeo, on n'oublie pas qu'il a 5 secondes de pénalité et ça va probablement lui causer aucun point aujourd'hui dans ce circuit international de Sakhir. Et on est au premier virage du 19e tour, lutte à 3 entre justement Max Verstappen, Carlos Sainz et une voiture Alfa Romeo. Pendant qu'on voit ici à l'arrière Ocon qui lutte maintenant contre Liam Lawson. Assez spécial de voir Ocon si bas au classement alors que Yuki Tsunoda est en position de marquer un podium aujourd'hui à Bahreïn. Hülkenberg qui lutte face à Nick De Vries et malheureusement il va devoir probablement, c'est à l'intérieur où il va concéder la position face à Nick De Vries, donc c'est une perte de place pour le nouveau pilote d'Alfa Romeo, lui qui était chez Aston Martin, chez Haas, pardonnez-moi, auparavant Hülkenberg. On revient au 19e tour. Trace de Break qui n'a plus le problème de carburant, donc il peut mettre le pied au plancher. Eh bien, il est premier et il s'enligne pour remporter la première course de la saison 2025, advenant un sans faute pour la suite des choses. Et encore une fois, Max Verstappen qui lutte, cette fois-ci face à Zhou Guanyu. Il veut quand même monter au classement, mais son 5 secondes de pénalité
va lui ruiner sa course. Son tête à queue et son 5 secondes de pénalité, c'est désastreux. Tout comme pour Carlos Sainz, qui également était dans les points, était probablement même sur le podium, et qui malheureusement va se retrouver hors du top 10. Donc on le voit ici, une belle lutte au premier virage pour le début de ce dernier tour. Mais malgré tout, Sainz est en 11e place derrière Zhou Guanyu. Tatiana Calderon, elle qui tente de dépasser Charles Leclerc, mais malheureusement, elle ne pourra rien faire face à la voiture de la Scuderia Ferrari numéro 16. Et au dernier virage, Perez s'est rapproché de traces de break. Il y a eu une légère bataille, mais rien de grand. Et c'est fait, traces de break. Le numéro 69, le Québécois, le pilote propriétaire, qui l'emporte en ce premier Grand Prix de la saison 2025 à Bahreïn. Wow! Toute une performance de traces de break de la CRT pour aller chercher la victoire. Incroyable, l'actuel champion du monde qui vient défendre son titre de belle façon et qui commence la défense de son titre avec une victoire incroyable. 25 beaux points pour le Québécois qui célèbre justement avec son écurie. Avant de parler du classement, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu et sur la cloche. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos de ce genre. Traces de break qui l'emporte devant Sergio Perez et Yuki Tsunoda qui monte sur la troisième marche du podium devant Oscar Piastri et George Russell qui complète le top 5. Pierre Gasly qui, malgré le tour le plus rapide, termine sixième devant Théo Pourchaire, Kevin Magnussen, Felipe Drugovich et finalement Zhou Guanyu qui vont chercher les points. Nick De Vries qui était parti 20e termine 11e. Tatiana Calderon, elle, 14e. Bref, toute une course aujourd'hui pour débuter la saison 2025. Faut dire que le drapeau rouge, la voiture de sécurité, trois têtes à queue, bref, ça influence énormément le classement. Alors qu'on voit justement les célébrations, traces de break qui peut être bien heureux, bien sourire d'avoir remporté ce magnifique Grand Prix à Bahreïn. On voit justement les différents classements, les différentes statistiques de ce Grand Prix avec comme vainqueur traces de break, les pénalités à Carlos Sainz et Max Verstappen et Logan Sargeant qui ont en fait été coûteuses. Traces de break qui prend donc le leadership de ce classement pilote et Mercedes est deuxième derrière Conner Racing Team. Nouveauté cette année, eh bien je vous donne les informations, les faits, les moments importants, les moments clés de chaque course. Comme là, on parle de Leclerc et de Sainz en Ferrari qui a eu une très mauvaise course, aucun point récolté aujourd'hui. Alors qu'on voit également Pierre Gasly qui aurait pu remporter sa première victoire avec Mercedes dans sa nouvelle écurie pour remplacer le légendaire Lewis Hamilton. Malheureusement, départ manqué après le drapeau rouge et il se retrouve seulement en 6e place. Ça reste quand même des points, mais pas du tout ce qui était espéré par le pilote français. Yuki Tsunoda, lui, qui monte sur le podium pour la première fois en carrière avec d'ailleurs sa nouvelle écurie Alpine. Felipe Drugovich marque ses deux premiers points en Formule 1 avec l'écurie Haas en étant 9e. Et Max Verstappen, hors des points en raison de sa pénalité de 5 secondes suite à son tête à queue. On parlera également de Pierre Gasly qui, quand même, malgré tout, a le tour le plus rapide. Et Lance Stroll qui a dû abandonner dès la première course avec sa nouvelle écurie AlphaTauri. Calderon 14e, alors que la voiture de sécurité a complètement sauvé la course de traces de break qui allait manquer de carburant. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. C'était votre animateur Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain épisode pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et pourquoi pas de laisser un commentaire. Sur ce, ciao les Cornets!